Bien, ça y est, j'en suis ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour la suite de The Last of Us par 2. Et oui, ça fait un petit moment. Vous m'avez déjà dit, est-ce que t'as oublié le jeu? Non, j'ai pas oublié, mais entre temps, il s'est passé plein de trucs et... Bon sang. Bah, t'as grillé. Beaucoup de nouveaux jeux notamment aussi. Et bah au niveau du temps, vous le savez, vous me connaissez tout doucement, que c'est chaud, c'est vraiment très chaud. Mais maintenant, on y est de nouveau pour la suite de The Last of Us, parce que j'ai pas du tout oublié. J'ai vraiment très très hâte. La dernière news, je me rappelle, bon ça fait quand même déjà quelques semaines du coup maintenant, mais je me souviens encore que quelqu'un nous a dit qu'elle était enceinte. Non, ce n'est pas Ellie. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la dernière partie, enfin la dernière vidéo, The Last of Us Part 2. On va aller voir de nouveau. On a donc maintenant allumé le courant. Donc normalement, ça devrait mieux se passer en bas. Ellie, en pleine forme. Par contre, avec la pluie et tout. Par contre, ce jeu, franchement, en revenant dessus, c'est beau, hein. Franchement, bon, j'avais pas oublié que c'était déjà très très beau, mais honnêtement, si on revient dessus, on a encore le temps d'en profiter encore un peu plus de ces graphismes magnifiques. Aïe. Du coup, c'est quoi ça? Aujourd'hui, la première partie. Nickel. C'est les clés pour où ça? La première partie qui n'est pas tournée en live, parce que bah, les dernières parties, vous le savez, on les a toutes faites en direct, en live. Par contre là, franchement, on est blindé. Donc est-ce que je peux pas me mettre un petit... Est-ce que j'aurais pas besoin de vie un peu? Franchement, non, pas vraiment. Pas vraiment, mais écoutez. On va se faire encore le dernier petit truc, voilà. Écoutez. On ne gaspille rien ici. Maintenant, du coup, on va se refaire sélectionner ça. Voilà. Ok, par contre là, je pense que dans cette vidéo, vous allez me galérer un peu avec les touches. Parce que oui, le problème, c'est que si entre-temps, on fait plein d'autres jeux avec plein d'autres touches, bah voilà, ça donne ça. J'espère qu'un jour, il y aura vraiment... Tous les jeux vont utiliser le même fonctionnement, genre, je sais pas, c'est... Ça n'a jamais été le cas. Ouh, mais on va dormir là, cette nuit, nous. En tout cas, moi, je me sens d'attaque dormir là. Bon alors, ça dort déjà? Ah, ok. Ok, bah écoutez, si ça dort déjà, moi je vais partir à l'aventure. Moi, je vous dis, quand ça dort, c'est le moment pour moi... de sérieusement partir à l'aventure. Voilà, ça je vous le dis. D'accord. Waouh. Mais... Wow. Ouais, ouais, bah ouais. Joël, ça t'aurait plu de regarder un film ici. Ouais. Petite pensée à Joël. Franchement, ça j'en reviens toujours pas. Que Joël est mort. Ça je suis... dégoûté de ouf. Franchement, dès que je vois des cinémas comme ça, ça me fait trop penser à au mode zombie de Black Ops. J'y crois pas. Kino der Toten. Seuls les vrais reconnaissent, mais honnêtement, toujours quand je vois des... Oh putain, une guitare. Aïe aïe, ça va jouer sévère et ça va penser sévère à Joël. En plus, là, il y aura des zombies. Ça va vraiment me faire penser à Kino der Toten. Ok. Ouais, elle est déréglée de ouf. Mieux. C'est beaucoup mieux, là. Ok, c'est à moi. Allez, les gars. On est chaud. Attends, ah oui, merde. J'avais déjà oublié. Attention, ça va jouer bien là.
Ah merde, attends. Oh putain, je voulais tenter de faire le héros, mais en fait ça va pas du tout ça. On ne joue pas au héros ici. Ouais, il prend le relais parce que moi je gère pas. Putain, ouais, je gère beaucoup mieux. Ah, ça dégoûte. Parce que moi il y avait que de la merde, puis là Ellie. Elle nous fait un petit solo. Elle gère de ouf en vrai. Non, sérieux, elle gère de ouf, non? On est d'accord. Trois ans plus tôt. Ça commence à donner quelque chose. Oh non, il y a Joël. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse. Oh non, c'est trop triste. Ouais. Oh, j'aime pas, je vous jure, j'aime pas. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain. Tant, 3 ans, elle a bien grandi par contre. Hein. Là, c'est encore. Allez, une j'essaie de gamine, deviner. Là. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Ouais. Pas la peine de te fatiguer. Je dirai rien. On verra. Est-ce que c'est. Un éléphant? Ah. Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? Une portée, tu veux dire? C'est quoi une portée? Un groupe de chatons. Elle est en cours, elle est en train d'apprendre. Là. Ah, fais merci. Attention. T'inquiète. Oh, oh le bâtard. Ah, le bâtard, le Joël, le bâtard, le Joël. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Je suis mort. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens. Repousser de... l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ah, Joël, putain. Allez, viens là, regarde un peu ça. Tu Qu'est-ce vois que tu nous manques? Tu vois ça. Juste là, regarde. Ouais. Je wow. le vois. Ouais. Belle bête. On dirait. Oh oh. Ok, mais c'est vengé. Alors, ça fait quoi? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh ben... En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. Ah. Ah bah ça va encore, franchement. Oh putain. Excellent. J'espère par contre qu'ils ont bien on géré les sacs. On va devoir passer parce que là-dessous. Genre, Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Vas-y. On est partant. Oh non, non, non. J'ai fait un 360 noscope. Non, encore un. Ok, bon, les 360, je les gère en tout cas. Hein, ça. Y'a pas de problème, les amis. Y'a pas de problème là-dessus. Est-ce que c'est mon prof d'histoire de 6e qui s'excuse d'être un gros con? Je te demande pardon. Moi et une copine, il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en colle. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Toi, t'as fait un 360 aussi, toi, Joël. Ouais, fais tes cheveux. Rien que ces petits détails, quand elle fait ses cheveux, j'aime bien.
C'est des trucs. Mais honnêtement. Est-ce que c'est. J'aime bien. Une nouvelle paire de baskets. Le taille dans les jeux, ça rend vraiment. Sûrement pas. Super cool, quoi. Tu peux m'aider là, Jules, c'est pas plaisir. Viens là. Merci bien. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Alors, enfin. Putain, on était synchro là. Mais bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD? Non. Attends, une collection de DVD? Oui. Laquelle? Juste, oui. C'est des laserdiscs? J'en ai entendu parler. Oh, j'y crois pas, Joël. On y est. Oh putain, c'est vraiment un dinosaure? C'est vraiment un dinosaure! Oh putain! Joël! Surprise! Je le crois pas! Non, sérieux? Putain, c'est un dinosaure! Elle l'avait du premier coup en vrai, hein! Elle l'avait dit, Cash! Est-ce que c'est un dinosaure? Le roi des lézards tyrans. Il est énorme! Bah, énorme et sec, ouais! Oh putain! What the fuck? Mais ça, c'est un. Un beau petit dinosaure en plus, hein. Enfin, petit, justement, peut-être pas. Hein. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. Sérieux, on va rentrer dans un musée? Non. Je vais y aller, moi. Cash? C'est quoi? On prend les billets et on rentre. C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. D'accord, ouais. D'accord. Sérieusement, on est dans un musée de dinosaures. Incroyable. Incroyable, les amis.